Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkevan et bienvenue pour un nouvel épisode de Momomomoduction. Et on est reparti pour cette saison 7, évidemment. On a tenté de réfréner les pulsions qui nous donnaient envie de retourner sur le modpack très rapidement parce que c'est vrai que ça s'enchaînait bien l'autre fois et du coup on avait continué vraiment comme des fous, c'est en mode ah putain. Et donc, on est de retour. On a été tellement rapide qu'on a dit putain, la prochaine fois, étape, épreuve de stockage. Ça tombe bien parce que c'est les achievements et on va attaquer, bon probablement, Simple Storage, du coup qui va être donc un truc qui va nous permettre de faire un petit réseau de stockage avant Upload et tout ça. Alors on a automatisé un petit peu, donc vous voyez là ça avance au fur et à mesure tranquillement parce que du coup j'étais connecté en off et j'étais en train de faire le chunk loader à moi tout seul. D'ailleurs il y a des chunk loaders donc on ira les télécharger aussi, enfin les télécharger, je veux télécharger des chunk loaders moi. Donc voilà, donc on a pu avancer un petit peu, toi tu build, voilà, donc on avait atteint les pouces un petit peu, voilà, bon voilà, l'avancement un petit peu de l'île. Et donc notre but maintenant était déjà de réorganiser nos coffres parce que c'était vraiment un sacré bordel. Donc c'est parti, maintenant on va attaquer le système de stockage. Hein, allez c'est parti, create a simple storage network, parce que là je n'en peux plus, j'ai grave mal au crâne, donc je suis navré. C'est sérieux? Ah ouais, j'ai la tête, c'est une pastèque, donc là c'est, laisse tomber. Ah je me suis un peu surmené là, c'est pareil, j'ai enchaîné beaucoup de montages, j'ai monté 5 vidéos là, j'essaie de mettre un peu d'avance pour comme on va partir là pendant 4 jours. Donc j'ai pas monté assez, voyons. Ah ouais, non mais c'est... Puis il y a Fly for Flames que je suis en train de bosser à fond, je me suis donné le défi d'essayer d'arriver et de le terminer ce mois-ci. Très compliqué, je suis pas sûr qu'il y arrive parce que comme on part en vacances du coup sera début novembre je pense, mais bon voilà, on va essayer d'être hyper rapide. Donc il faut du stone slab et de l'iron. Ok, donc la stone slab, j'avais fait de la stone, je sais qu'à un moment je me suis dit ce serait marrant de faire de la stone, ça pourrait te servir plus tard. Et ben voilà, on en a fait, donc c'est parfait. D'ailleurs j'ai pas besoin de faire ça, j'ai juste besoin de faire ça. Voilà, avec ça donc on peut faire déjà le premier achievement. Tiens, tu vas en profiter Tommy. Ah hop, voici, donc ça c'est, on fait la page du storage, parce que ça, vraiment, là, on en veut plus. Alors j'ai vu des systèmes pour automatiser un peu pas mal de choses, du coup c'est plutôt cool quoi. Master Block. Après la Master Ball, le Master Block. Qu'est-ce qu'il faut pour un Master Block? Un diamant, 4 storage câbles et 4 blocs of quartz. Ah d'accord. Ok, donc en fait Simple Storage, je me le fous dans le cul, mais on va aller dans le Nether. C'est pas grave. Et bah du coup je vais prendre ton armure, hein. Vas-y. Tu m'as laissé une armure là, moi je prends. Hein. Je trouve ça prenez, cool. Prenez, je vous en prie. On va faire l'achievement des dimensions, puisqu'il y a possibilité aussi d'aller dans le Nether. Il n'y a plus de dragons sur le serveur Abo. Allez, il l'a enchaîné déjà. Ils sont très forts. Non mais je dis, il y en a, ils connaissaient déjà le modpack, donc je sais qu'il y en a, ils ont pas traîné. Hein. Ça a été très très rapide. Alors, du coup, on va passer dans l'âge de l'exploration. Alors, on va fermer de l'obsidienne rapidement, parce que c'est facile à faire. Ok, c'est bon, on a récupéré nos 8 d'obsidienne. Du coup, il va falloir qu'on fasse un gâteau. Et du coup, il va nous falloir du poulet. Salut, Torture Mine. Et du coup, pour récupérer du poulet, on va le récupérer. Il nous faut du raw corn. Et comme on en a plein, du maïs, hein, qu'on en avait farmé énormément au dernier épisode. Énormément, pas tant que ça en fait. Hein. Oui. Est-ce qu'à ton avis, on fait une île en terre? Comme ça sera l'île où il y aurait tous les animaux et toutes les cultures. Oui, mais d'ailleurs, en te parlant de ça, parce que oui. J'ai oublié de t'en parler, mais il y a une technique effectivement pour récupérer de la dirt plus facilement, c'est en faisant de la grass. Vas-y maintenant. Allez, nous le chaudron. Là, tout de suite. C'est le mec. Clic droit. Là. Voilà, maintenant prends une feuille, n'importe laquelle, tu prends des feuilles. Feuilles? Ouais, prends des feuilles, blocs de feuilles. J'en ai parlé avec Pégase, c'est Pégase qui m'a filé l'astuce l'autre fois, je dis putain, okay, mais t'es pas con. Et Pégase m'a dit ça et je dis mais oui. Et là, clic droit. Voilà. Et tu peux le faire 4 fois. Donc ça veut dire que tu peux avoir 4 de dirt avec 1 de dirt. Tu vois la technique? Comme on a des feuilles infinies, en cliquant droit. Et ben voilà, on peut se faire une technique pour avoir plus de dirt rapidement. Merci Pégase encore, des bisous pour la petite astuce. Mais j'ai trop hâte de vous montrer FFF, je vous jure. Je vais peut-être faire un visionnage en live, je sais pas comment le faire encore, je suis trop hypé. Mais pourquoi je veux mettre des sites moi? C'est là, je suis fatigué, tu vois. Je suis trop hypé de vous montrer, là j'ai trop hâte que vous voyez vraiment FFF, c'est trop, je suis trop hype. J'en peux plus. Où est-ce que je vais pouvoir foutre les poulets? Tiens, est-ce que je peux les emmener dans un nouvel enclos que t'as fait ou quelque chose ou pas du tout? Ah pas encore, je suis en train de... Ah oui, t'es ambitieux, t'es le mec ambitieux en fait. Ah ouais, non mais il faut une grande île pour nos animaux. Bah, je vois ça, oui. Ok, bon bah je vais le mettre dans le petit enclos pour l'instant, puis on verra après. Parce qu'on aura un spawner, c'est ça? Genre, c'est une graine, c'est ça? Ouais, donc graines, ça pousse tout le temps, ouais. Pas forcément, non, regarde les graines, elles sont plus là. J'ai l'impression que c'est fini. Ça a l'air de produire 2 ou 3, ça dépend. Alors, peut-être en utilisant... Je sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas. On commence à être à l'étroit, donc effectivement, vivement que tu nous fasses le truc. Ouais. Et du coup, les animaux, tu m'as dit, c'est sur l'herbe, c'est ça, ouais? Ouais, animaux sur l'herbe, mais c'est juste le ressource ou ressource hog. Bon, au pire, on lui fera une petite île pour le ressource hog ailleurs, tu vois. Un truc séparé pour de la dirt. Je vois rien, les gars. Poussez-vous.
Pyro. Putain, c'est trop, on est trop à l'étroit là, ça y est. J'en peux plus dans mon HLM, Tommy. J'ai besoin de liberté. Faut leur donner quoi? C'est des graines. Je veux des moulures au plafond. Je veux des moulures au plafond, Tommy. Tommy, tu me dégoûtes. Le compte est pas bon, les gars. Le compte est pas bon. Ouais, voilà, c'est des graines pour booster le truc. Voilà, dans 2 minutes. Dans 1 minute, il est adulte. Super. Allez, on enchaîne. On va continuer de faire pousser les autres poulets là. Alors, pour faire un petit gâteau, il faut 2 sucres et il faut 3 blés. Et il faut, eh bien, évidemment, du lait. 3 seaux de lait. Ok. Oh. Oh, bah ça commence à tonner là. Hop là. Bon, oh, j'ai du diams. Tu crois que je peux faire des buckets en diams? Le mec, tu sais que tu veux faire des buckets en diams. Vas-y, je tente. Oh, oui. Tu peux? Oui. Mais ça stocke quoi? Enfin, ça peut stocker 10 trucs. Oh, bah c'est bien. C'est trop bien ça. Ah ouais, mais du coup... De la grâce. Je peux faire des buckets. J'ai... Je me suis fait un bucket en diams, quoi. Je suis trop riche. Et... Le market, bah voilà, voilà, la réponse est là. Au market, une seed égale un œuf. Voilà, on a la réponse et on n'a plus besoin d'attendre. On se parle, j'ai fait des chicken, au moins c'est déjà ça. Mais du coup, ça veut dire que, hop, voilà, je peux faire plein d'œufs. Plein d'œufs partout. Bah voilà. Yes, on a fait le gâteau. Et du coup, The Nether Quake, les gars. Salut mec. J'ai fait un gâteau. Alors, je sais pas trop comment ça marche, mais je sais pas si je peux revenir en arrière après avec ça. Donc, dans le doute, je crois qu'il y a l'Overworld Cake à faire et c'est un des premiers achievements. Donc, parce que si on part et qu'on se retrouve coincé, c'est un peu bête. Le gâteau. Le gâteau. Voilà. No cake like home. Alors, je sais pas comment on va rentrer. Attends, je vais prendre de la bah, là-bas, si tu veux, là, il y a une plateforme de libre ou n'importe. Ah, tu sais, un petit truc, je sais pas. Attends, je vais tenter un truc. J'ai de la stone, de la cobblestone, ouais, on l'a pas beaucoup. Va falloir qu'on fasse un plan. Ouais, grave. Un de ces quatre, on va développer un plan et tout, on va faire un truc. Alors, ça partait sur j'ai envie de faire du stockage et après on m'a dit faut du quartz et voilà, ça y est, je suis parti pour faire des gâteaux de dimension. Oh, c'est très bien. Hop. Enfin, c'est de l'iron ça? Ouais. On va les mettre de deux côtés comme ça, puis on fera un long couloir avec toutes les dimensions ici, tous les gâteaux répertoriés. Ça sera rigolo. Hop. C'est un mode que je voulais présenter à un moment, je crois. Netherquake. Bites. Ah, tu peux croquer que 6 fois dans le gâteau. Ah. Ah. Ouais, j'y vais tout seul d'abord. Vas-y, hein, tu me dis. Je vais dans l'Overworld. Si tu meurs, et bah tu t'emmènes pas ton pote. J'ai pris un peu de fer, un peu de truc, on verra si je survis. Oui. Attention. 3, 2, ah, donc lui, il te permet de revenir seulement. Ah, d'accord, ok. Non, mais j'avais mal compris le principe du truc, ok. Mais c'est pas grave. D'accord, donc on peut pas aller dans l'Overworld, en fait. Je croyais qu'on a... En fait, j'étais persuadé qu'on pouvait aller dans l'Overworld. En fait, l'Overworld Kit permet... l'Overworld, juste... ils te disent que tu y es déjà. Oui, bah oui, oui non, mais moi, je me demandais justement s'il y avait pas un autre terrain. Ok. Non, mais pas grave, my bad. Bah, attention, il fallait que je le fasse. C'est pas grave, ça arrive. Non. J'ai le goût de l'aventure. Il aime le danger. J'aime le danger. Je me fais une pickaxe. Faut que je prenne un peu de bouffe quand même avec moi. Genre du maïs par exemple. Le maïs, ça nourrit à combien ça? Oh, ça nourrit à rien. Non, c'est de la merde. Qu'est-ce que... Prends des pommes. Sinon, je vais prendre du pain, tu sais quoi? Pain. Allez, objectif, récupérer du quartz. Pour pouvoir faire notre système de stockage qu'on attend. Allez, préparons-nous à aller mourir dans le nether, voilà. C'est très bien, on y va. Oh, j'ai pas fait de bouclier. Attends, bouclier, c'est important, ça. C'est important, ça. On a dû faire, on va pas s'en priver. Oui, attendez. Oui, non, parce que c'est quand même. Je sais que, voilà, mais quand même. Hop. Tu veux un bouclier, c'est toi? C'est tellement lent, la terre. Je te fais un bouclier. Non, j'en ai pas. Ouais, vas-y, fais. Non, je sais pas. C'est comme le mec se vénère. C'est quoi, ça? Ah oui, ok. Attends, je suis en mode... Oh, c'est un truc à bonsaï. Ah oui, j'ai dit que la terre, c'est long à faire. Putain, c'est chiant. Tiens, to me. Merci. Je pars en exploration, si dans 5 minutes je ne suis pas là, eh bien attends 5 minutes de plus, comme il disait. Très bien. Allez, au revoir. Au revoir. Oh, bon le voyage. Bouclier. Sinon, ça va générer un peu, hein. T'as déjà mouru une fois? Oui. What the fuck? Ah oui, il est déjà mort. Ah, mais c'est du void. Oh. Ah, j'y étais pas prêt. J'ai pas pris de cobblestone. Allez. Bonne chance, hein. Oh la vache! Oh, ça génère de ouf! Oh là là! Attends.
Ouais, attends. Même moi, je bouge pas. Parce que tout le monde est en train de se crier. Oh non, mais mec, c'est tellement pas ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, et normalement, t'étais censé avoir un gâteau pour pouvoir rentrer. Bah, j'ai un gâteau. Ah bah, ils m'en ont donné un. Ah oui, il est crafté automatiquement, d'accord. Ils t'en donnent un, oui, pour rentrer. D'accord. On m'a dit, ouais, fais gaffe, tu pop parce que le truc peut se péter et tout. Donc, bon, je vais suivre ce conseil et me le mettre à l'extérieur comme ça. C'est dommage que j'ai pas pris de cobblestone. J'ai rien pris. Ah oui, non, mais c'est chaud. Oui, d'accord. Oh putain. Utiliser du bois dans un monde de lave. Quelle bonne idée. Bah ouais, mais j'ai pas de bloc, j'ai rien. Putain. Du coup, comme j'ai deux gâteaux, ça va nous servir. Guess who's back? Bonjour, je viens prendre de la couple. Voilà, donc le gâteau reste. Donc effectivement, mon gâteau d'Overworld, en fait, sert à rien. Ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Alors, objectif, atteindre cette forteresse. Ce serait le moins risqué, en fait, parce que là-bas, je vois qu'il y a des mobs. Voilà, en fait, il y a toute une armée qui est en mode « T'as pas envie de venir taper la causette avec nous ?» Et je suis en mode « Bah non, en fait. » Donc, on va essayer de faire d'autres... Je prie pour qu'il n'y ait pas un ghast ou un truc volant qui se génère, parce que ne connaissant pas tous les mods, je ne connais pas tous les ennemis. Tu vois, cette chauve-souris pourrait très bien être un démon enflammé qui va se transformer. Il y en avait, hein. On a déjà eu ça. Donc je pourrais très bien me faire attaquer de tous côtés sans aucune possibilité, malheureusement, de pouvoir survivre. Donc au pire, je ferai une passerelle, je ferai un truc. Je vais être, eh bien pour l'instant, l'architecte du cœur, l'architecte de la violence, de la paix, de la prospérité, de l'amour, évidemment, qui va continuer, eh bien, de s'enfoncer dans les enfers. Voilà. En tentant au péril de sa vie, bien entendu, d'arriver à ses fins. Ah, parce que quand ils donnent des horaires, parce que souvent, en fait, ils aiment bien parier sur ma mort. Donc, Negabuchi ne donne pas l'heure, en fait. Ils donnent l'heure de ma mort. Ils aiment bien, c'est des petits paris, parce que vous savez, je fais beaucoup de roguelike et des jeux chiants, durs, genre Blasphemous, tout ça. Donc, forcément, ils voient que je tiens pas 3 minutes. C'est devenu. Des jeux chiants. Non, mais des jeux chiants. Non, c'est pas qu'ils sont chiants, mais c'est des jeux qui me font mourir en boucle. Et du coup, forcément, à la fin, ils s'ennuient. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour s'occuper? Bah, ils parient sur l'heure de mon décès. Ah pourquoi pas, c'est une manière comme une autre de s'occuper. Moi ça me fait beaucoup rire. Je ne dénigre pas, je trouve ça très amusant. C'est un peu stressant, hein, je t'avoue. En plus j'ai le petit doigt, tu sais, qui commence à... Tu sais, c'est avec le stress, tu sais, qui commence à glisser. Le petit shift, le shift là qui pourrait lâcher à n'importe quel moment et me faire, eh bien, glisser malencontreusement dans cette marée de lave en fusion. Que tout faire? Est une question de temps. Qui t'appelle? Que faire, que faire? Dark, viens, rejoins-nous. Non, je ne céderai pas. Ce serait l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme. Ou pas. Qui a vu l'ours. Je regarde le chat en même temps. Mauvaise chose. Ne fais pas ça. À chaque fois, je commence à avoir des mauvais réflexes. Tu sais, j'ai le petit truc où... Ah, tiens, mais si je regardais le chat au moment où je vais crever. C'est pas l'idée, ça. Formidable. Ok, là, on est là. On est là. Ok. Ok, je perds un peu de vie, mais tout va bien. Il a osé, il a sauté. Ok, et là, il faut que je fasse un putain d'escalier. Ah, putain. Ouais, parce qu'en plus, j'ai pas de... Encore 3 stacks, ça va, tout va bien. Je suis en stress, je vous jure. Pourtant, je devrais pas, hein, mais... Je suis quand même en stress. Hop. Et là, on descend par là. Et voilà, le petit escalier du bois joli. Oh! Bah ça c'est fait. Je vais rien, je l'ai bien. Hop, voilà. Bon, allez, on va explorer ça maintenant. On va voir un petit peu ce que ça propose. Alors, on connaît pas encore la nature de tous les mobs qui nous attendent, donc on y va tranquille. En plus, les blazes, je peux pas les attaquer comme ça. Vive le bouclier. Oula, pourquoi tu tapes aussi vite, toi? Ça va? Cette agression, là. Et s'il tire sur les blazes, il se passe quoi? Rien du tout. Je pense pas. En fait, ça m'arrange pas parce que je veux du quartz, moi, donc limite, je voudrais aller ici. Merde. Tu fais? Oh, tout va bien alors. Alors lui il m'emmerde parce que j'ai pas de truc. Mais en fait j'aimerais bien aller là pour voir le quartz. Ce serait plus le truc qui m'arrangerait et c'est le plus proche. Est-ce que j'ai assez de cobble pour faire ça? Parce que là c'est dangereux, puis il y a du blaze partout, c'est très chiant. Pourquoi vous êtes aussi résistant là? Ça se fait pas. Et j'ai pas de truc à distance.
Faudrait que je trouve des armes à distance en fait. Un lance-pierre ou un truc, n'importe quoi, qui permettrait d'éliminer les places tranquillement. Parce que là, en fait, je me rends compte que c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment pouvoir accéder à ce pilier-là. Ouais, ça peut se farmer avec des graines. Juste des graines, en fait, je peux faire des flèches, d'accord. Le silex, on l'a, en fait, naturellement avec les flèches. Et du coup, ouais, je pourrais me faire, en fait, quelques flèches, déjà. Une graine, une plume, je me fais 32 trucs, et en fait, j'ai masse flèche. Donc, en fait, on peut se faire un arc, et on peut avoir pas mal de munitions avec ça, donc ça me va, moi. Un truc à distance. Ouais, non, mais histoire de tranquille, parce que sinon, je... Enfin, c'est trop chiant d'affronter un... En fait, le problème, c'est que si t'es sur la terre ferme, bon, ça va, mais là, en fait, on a une sorte de pseudo-void nether. Et du coup, en fait, si t'as rien à distance, enfin, t'es mort, quoi. Ok, on a 41 graines, c'est parfait. Voilà, comme ça, ça nous fait 41 plumes. Voilà, parce que fuck off les poulets, ils produisent pas assez vite. Donc toi, on va pouvoir, du coup, tiens, hop, prendre ça, merci. Boum, voilà. On se fait rapidement 40 bâtons. Voilà. Et on va... Je crois qu'il y a un petit raccourci pour activer la table de craft rapidement quand on l'a. Faudrait que je vois c'est quoi son raccourci, j'ai pas regardé. Voilà, et comme ça du coup on a... Boum, deux stacks de flèches, voilà. Easy, easy. Ça c'est bon, et donc du coup, maintenant on va pouvoir tenter de prendre un arc. Alors, j'ai pas regardé qu'est-ce que je pourrais prendre comme arc parce qu'il en a plein. Forcément t'as de l'électrum, etc. Bon, il y en a pas un plus puissant qu'un autre pour l'instant, mais à part l'électrique bow, mais bon, pour l'instant ça m'intéresse pas. Donc je me dis juste, je sais pas ce que ça change là, le call renforced bow, diamond, renforced, 1886, ammo, damage dealt, et ça te met même ce que t'as tué, etc. D'accord. C'est quoi, je vais me faire un arc en diamant. Je suis comme ça, moi. Il est comme ça. Moi, je suis comme ça, moi. Des dégâts qui changent pour les bows, ouais, non, on va avoir un arc en diamant, je pense que c'est pas mal, j'aime bien là. J'ai envie de me shine like a diamond. J'ai envie de la chanter aussi, tous les streams, j'ai envie de la chanter. Faut vraiment que je l'écoute cette musique en fait, parce que j'ai presque jamais entendu. Et en fait, je la chante tout le temps. Il est traumatisé. Il ne va pas. Y'a rien qui va. Ok, je reprends des stacks de cobleu, voilà. Merde, c'est quoi que bah, la puissance, oui, je pense que c'est la puissance. Tommy, tu veux faire cobaye? Voilà, pourquoi? On va faire un test. Je vais te tirer dessus avec un arc en bois, et après, je vais te tirer dessus avec un arc en diamant, d'accord? Je te laisse le temps de régène, hein. Normalement, ça te tue pas. Hein. Vas-y, vas-y, j'enlève mon armure. Non, non, garde ton armure. J'ai un armure. Je sais pas, ouais, non, tu veux mourir? Écoute, moi, tu sais, rien ne me ferait plus plaisir avis, que mourir. D'aider un copain dans le besoin, mais... Bah, pour l'arc que normal, ouais, mais... Ok, tu vas pas mourir. Allez, vas-y, on fait un test. On va voir tout de suite la différence. J'aime bien avoir des copains. J'adore quand j'appelle Toby en mode. Alors, tu es prêt? 3, 2, 1... 6 PV. Ok. Attends, vas-y, je suis... là, c'est bon, pas. Je suis full. Ok. Et là, c'est 3, l'arc quoi? L'arc 2, diamant. Ah, je pense que 1. Je vais mourir, en fait. Ouf. Ah non, oh, ça va. Ok. Donc 6 PV, et là, t'as pris... Mais il me restait 2 cœurs. 16 PV, je crois. Ouais, 16 PV. Je ne regrette pas. Je t'abonne à chat. Merci, cher cobaye. Merci. Vous en prie. Comme dans toutes les productions, Toby fait le cobaye. Oui, non, mais... Écoutez, ça fait partie du plaisir. J'avais mes copains creepers pour les présentations de mode. Vous savez, je me suis senti très seul après. Il a fallu que je retrouve des gens. Mais avec une conscience, avec une âme. C'était beaucoup plus sympathique pour pouvoir, eh bien, les torturer. Hein, à jamais. Évidemment, pour leur plus grand plaisir. Parce qu'ils pensent que, bien entendu, ça me fait plaisir. Mais en fait, c'est faux. Je suis juste un sadique. J'aime détruire... Un malade. Un grand malade. Vous êtes un grand malade, monsieur. Vous êtes un malade, monsieur. On va pouvoir amener quelques bêtes là pour avoir. Tu peux faire les laisses, hein, y a du slime là, donc ficelle of slime et tu fais tes laisses. Hein. Là, je te les ai mis dans le coffre qui est en bas, voilà, là, à côté c'est... de la table de craft. Allez, on c'est parti. On va bloquer ici. Bientôt. On va massacrer du. Oh. Allez, it's over 20. Ah, j'ai eu un achievement, t'allais le dire, hein, ouais. Ouais, bah, c'est it's over 20. J'ai un petit achievement. Ah ouais, en deux coups, le blaze, c'est bon ça. On l'aime bien. En plus, il y a un petit zoom dessus, c'est très rigolo. Alors, je vais essayer de me rapprocher. En fait, je vais me rapprocher ici parce que le taux de spawn a l'air moins violent, donc on va faire notre bridge ici. On reste safe vu qu'on est quand même au-dessus de la lave. On n'a pas envie de mourir dans des circonstances affreuses. Il y a un filon de quartz là qui me fait de l'œil. Vous voyez, il me regarde là, il est en mode hey, copain, c'est de lui dont j'ai besoin. Alors peut-être je pourrais me faire du quartz saplime avec ça justement, parce que ce serait cool, parce qu'après si on peut les transformer en pousses de quartz... Oh, mais j'y ai même pas pensé. Bon, c'est pas grave, c'est pour le plaisir, mais... Netherrack et magma slime crystal, slimy magma mud. Ah oui, mais il faut faire qu'on fasse le slime ball, et donc il nous faut du congélatel magma. Il va nous falloir des perles de l'ender aussi, justement pour avoir du...
Parce que tu sais, pour qu'on ait justement un chunk loader, le chunk loader se fait avec un œil de l'ender. Donc il faut de la blaze powder, donc c'est très bien, je l'ai récupéré ça. Mais par contre, il va nous falloir aussi l'œil de des perles de l'ender. Et donc ça, soit on fait un spawner et on récupère des enderman, soit on essaye de crafter ça d'une manière ou d'une autre. Bam, bam. Et il y a déjà des gens qui m'ont fait des propositions pour Moduction saison 8. Je suis en mode, bah attendez, on vient de commencer. J'ai les commentaires du premier épisode. Bon, je sais, il y a un décalage son, il va y avoir un décalage son sur les trois premiers. Alors, il y a beaucoup de commentaires qui diront probablement, attention, décalage son, vous pourrez leur répondre que bah, c'est un petit souci de, voilà, petite désynchronisation et qu'effectivement, sur les trois premiers épisodes, il y a un décalage de 0,02 secondes. Certains ont dit, il y a 2 secondes de décalage, non, c'est pas autant. Effectivement, on a un léger décalage. Le mec se fait un escalier, quoi. Allô. Mais allô. Allô, quoi. J'ai perdu... Ah non, c'est... J'ai perdu le sommeil au milieu de la nuit. Il va falloir des achievements aussi, il faudrait que je vois ce qu'on peut faire pour faire du cuir. Pour se faire des bouquins, une table d'enchant. Pour être cool aussi. Ouais. Donc on a des bah, de toute façon, on a les élevages de vaches, en fait, on va pouvoir faire des... Ouais, mais oui, je suis con. On peut faire pousser des graines de vaches à l'infini, donc en fait, c'est ça, une fois que tu les as installées, on est bien. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, en tout cas on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas la petite notification avec les cloches si vous voulez rater aucune des vidéos, les lives tous les soirs 21h, 22h, tous les liens sont dans la description, ciao à tous, des bisous et à la prochaine les amis.